les bois sont absolument merveilleux. Schtroumpfette, Schtroumpfette. Oui, Schtroumpf musicien. Ah, heureusement que je vous ai trouvé. Je voulais que vous soyez la première à entendre ça. C'est ma dernière composition, la sonate pour Schtroumpfette. Et je l'ai écrite spécialement pour vous. Schtroumpf musicien, voyons, tu n'aurais pas dû. Alors, est-ce que ça vous plaît? Eh bien, enfin, mais dites-moi sincèrement ce que vous en pensez, surtout. Eh bien, en fait... Ne vous retenez pas, laissez parler librement votre cœur. Eh bien, très franchement, je crois qu'il faudrait que tu la retravailles un peu. Oh. Ah bon? Un peu trop fortissimo dans la troisième strophe, sûrement. Ah, oh, pauvre Schtroumpf musicien, je ne voulais pas lui faire de peine, mais je n'ai pas pu lui mentir. Oh, oh, destin funeste! Comment un grand sorcier comme moi peut-il être réduit à manger de tels immondices berges et racines? C'est bien sur la faute de ces misérables Schtroumpfs. Si seulement j'en capturais six, la vie deviendrait si belle. La 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 la. Chut, silence, Azrael. Je crois que j'entends un de ces monstrueux petits êtres bleus. La 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 la. Ah, comme elles sont belles. Ah, pauvre Schtroumpf musicien. Il va être triste. J'aurais peut-être dû lui dire que j'aimais sa sonate. Non, je n'avais pas le droit de dire de mensonges. J'ai l'impression que tu as cueilli la fleur qu'il ne fallait pas, Schtroumpfette. Hein? Et où sont donc les autres petits nabots bleus? Je ne vous le dirai jamais. Ça, c'est ce que tu crois. Quand j'en aurai fini avec toi, tu me diras toute la vérité. Horriblement méchant et vilain. Je sais, c'est ce que ma mère me disait toujours. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Alors voyons voir, potion pour la santé, filtre d'amour, élixir de haine. Qu'est-ce que c'est que ça? Une formule pour le mensonge? Ça c'est grotesque, il n'y a pas besoin de formule pour ça. Ah, voilà ce que je cherche, sérum de vérité. Quand tu auras dégusté ce sérum de vérité, tu me diras où se trouve le village des Schtroumpfs. Jamais! Aussi, aussi! Tu verras, tu verras. Avant tout, il me faut un pilon et un mortier. Azrael, ne t'approche pas d'elle! Le misérable sac à puce! Bon, alors où en étais-je déjà? Ah oui, 5 langues de vipère, un œuf pourri, 4 tranches de pure méchanceté, 6 poils de moustache de putois, une pincée de fourberie. Oh, j'ai hâte de voir le résultat. Oh, que j'ai hâte! Bientôt j'aurai tous les troncs que je voudrais. Oh! Un peu de sérum de vérité, Schtroumpfette? Je ne dirai jamais rien! Oh, je me sens toute drôle. Allez, Schtroumpfette, dis-moi où est le village que je puisse transformer tes petits amis en or. Si vous voulez vraiment de l'or, vous devriez aller jusqu'au grand chêne qui est au milieu de la forêt. Oui, le grand chêne, oui, mais pourquoi? Le trésor secret des Schtroumpfs est caché là-bas depuis des siècles. Le trésor secret des Schtroumpfs? Eh oui, dans un trou très haut dans l'arbre. Vous allez trouver plus d'or que vous n'avez pu en avoir dans vos rêves les plus fous. Vous êtes prêts? C'est pas vrai. Écoutez, là-haut, dans les arbres, tu as dit? Eh oui. Viens, Israël, il faut qu'on vole une échelle. On dirait que je vais mettre la main sur ma jolie tas d'or. Il vaut mieux arranger ça, Schtroumpfette. Je vais y veiller personnellement, grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf! Tiens, Schtroumpfette, où étiez-vous passé? J'étais près de la rivière et je jouais avec les petits papillons. Ah oui, mais je viens d'y aller, moi, et je ne vous y ai pas vu. Alors, je devais être très près du moulin et je jouais avec les coccinelles. Enfin, peu importe. Je n'ai plus besoin de ce marteau. Vous pouvez le rapporter au Schtroumpf bricoleur. Bonjour, Schtroumpf bricoleur, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais je travaille sur ma nouvelle schtroumpfeuse automatique pour laver les affaires du bébé Schtroumpf. Oh, comme c'est schtroumpfant! Oh, et à propos, voilà ton marteau. Ah, merci, Schtroumpfette, je vais le ranger. Hein. Surtout, ne laissez pas un seul schtroumpf approcher de la schtroumpfeuse automatique pendant mon absence, hein. Oh, moi, je n'y schtroumpferai pas. Bonjour, Schtroumpfette. Oh, bonjour. Oh, c'est quoi cette schtroumpf infernale? C'est une nouvelle schtroumpfeuse à semer les graines. Le schtroumpf bricoleur voudrait que tu l'essaies tout de suite. Une semeuse de graines? Mais ça, c'est une bonne idée. Oh.
Au secours! Au secours! Automatique. Oh, si tu veux mon avis, ton invention a besoin d'un petit réglage. Mais oui, je sais, mais personne ne devait y toucher. Mais la Schtroumpfette m'a dit que tu voulais que je l'essaye. Mais non, c'est pas possible. Alors dis tout de suite que je mens. Mais vous lui avez pas dit de l'utiliser, Schtroumpfette. Moi? Oh, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu vois, rejette pas la faute sur la Schtroumpfette. Elle ment, Schtroumpfricoleur. Retire ça tout de suite. C'est la vérité. C'est la vérité? Ouais. Espèce de menteur. Schtroumpfricoleur, trompe-paysan, arrêtez immédiatement. Il a détruit mon invention. C'est la faute de la Schtroumpfette. Elle m'a menti, gros Schtroumpf. La Schtroumpfette? Mentir? Mais c'est impossible. Il vaut mieux que j'aie une discussion avec elle. Schtroumpfette, j'ai retravaillé la sonate. Vous allez l'adorer cette fois. Et un, et deux, et... Alors, qu'est-ce que vous en dites? Oh, je n'ai jamais rien entendu d'aussi merveilleux. C'est vrai? Alors je vais la jouer aux autres Schtroumpfs. Excusez-moi, Schtroumpfette, il faut que je vous pose une question terriblement importante. Combien je vous montre de doigts en ce moment? Quoi? Je vois. Et comment vous appelez ceci? Une table. Et ceci? Une brouette, bien entendu. C'est schtroumpfement curieux. Une dernière question. Vous avez vu Gargamel aujourd'hui? Moi? Oh non, grand schtroumpf. Il faut que j'aille vérifier quelque chose dans mes manuels. Vous restez ici jusqu'à mon retour. Oh, mais bien entendu, grand schtroumpf. Peut-être qu'un sort empêche la schtroumpfette de dire la vérité. Voyons voir. Potion pour la santé, filtre d'amour, élixir de haine. Ah, voilà! Formule du mensonge. Et voilà la recette pour la guérir. Il faut que je la prépare tout de suite. Tu te rends compte, Azrael? Plus d'or que je n'en ai vu dans mes rêves les plus fous. Le trésor est si proche que je le sens presque. Je le vois, Azrael. De l'or, il est à moi. Rien qu'à moi. C'est pas de l'or, c'est de la frais, c'est du miel. La Schtroumpfette m'a menti. Schtroumpfette? Oh, Schtroumpfette! Nom d'un Schtroumpf, elle a disparu! Il faut que je la retrouve tout de suite! La 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 la! Schtroumpfette! Schtroumpfette! La la la! Schtroumpfette! Seconde, pourquoi vous ne répondez pas quand on vous appelle? Oh, je n'ai pas entendu! Ah, vous n'avez pas entendu, hein? Misérable petite Schtroumpfette! Quand je lui mettrai la main dessus, je lui tendrai son petit cou bleu! Excellent, c'est Schtroumpf! Gargamel! Les voilà! Ne les laisse pas s'échapper! Où est le grand Schtroumpf? Trouve-les, Azrael! Ils ne doivent pas être très loin! Tu les as trouvés? Je n'ai rien entendu! Pourvu que tout aille bien pour le grand Schtroumpf! Il vaut mieux jeter un coup d'œil, ça? Allez-y, Schtroumpfette! Mais ils sont partis! Oui! Ils sont tous partis! Ouf! Quel soulagement, n'est-ce pas? Je vous tiens! Regarde, Azrael, j'en ai 6! C'est exactement le chiffre que j'avais à l'esprit. Hein? Je vais frire 6 schtroumpfs, je vais frire 6 schtroumpfs. Nom d'un schtroumpf? Mais c'est terrible! Si seulement j'avais le temps de donner un antidote à la schtroumpfette. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. J'exige que vous me disiez où est caché le trésor secret des Schtroumpfs. Le trésor secret des Schtroumpfs? Ben, c'est quoi, ça? Ne jouez pas les innocents avec moi! La Schtroumpfette m'a tout raconté! Ah, oh, cette Schtroumpfette, elle raconte que des mensonges! Impossible! Mais ce matin, je lui ai donné du sérum de vérité et... Mais c'est pas la page du sérum de vérité, c'est la page de la formule du mensonge. Ben non, on vous mentirait pas. Grâce à votre invraisemblable erreur, les mensonges de la Schtroumpfette ont causé de gros problèmes à tout le village. C'est vrai? Une Schtroumpfette qui ment? Mais c'est merveilleux, c'est comme c'est amusant. Un coup de chance que le grand Schtroumpf m'ait guéri. Ah oui? Eh bien, on va remédier à ça tout de suite. J'ai encore beaucoup de formules de mensonges. Quel dommage que je ne puisse pas vous épargner, Schtroumpfette. Mais comme vous savez, il faut 6 schtroumpfs pour faire de l'or. Oh,
regarde, Gargamel, il y a un ours monstrueux juste derrière vous. Oh, c'est vrai, Stromfette? Alors, quel mensonge totalement ridicule! Un coup de chance que ma potion marche si bien, hein? Non, pas maintenant, Azrael! Non, non, non. Pas la peine de s'énerver, mon petit Gargamel, hein? Stromfette, vous avez dit la vérité. Ah, j'ai pris la liberté de changer la formule de Gargamel et la Stromfette est guérie. Oh, grand Stromf, merci. Alors vous étiez là depuis le début, hein, grand Stromf? J'en suis comme deux ronds de Stromf, moi. Ah, oh, grand Stromf, je suis terriblement désolée d'avoir créé tous ces problèmes. Allons, allons, ce n'est rien, Stromfette. J'espère que vous avez tous compris que l'on ne s'attire que des problèmes quand on ment. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas aimé ma sonate? Eh bien, Eh bien, en fait, je pense que la Stromfette aime ta sonate. Eh bien, enfin, au moins autant que je peux l'aimer, je trouve, musicien. Vraiment? Je vais te dire une bonne chose, ta sonate, elle ne casse rien, mais elle nous casse les oreilles. Hein.